Et donc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode de Super Sub. Vous commencez à connaître le challenge. Troisième épisode de Super Sub. Aujourd'hui, c'est avec le Real Madrid que l'on se retrouve. Vous connaissez le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a toutes les règles en description. Mais sinon, rapidement, c'est simple. Chaque joueur qui va recevoir des offres, on va devoir les accepter. Et par exemple, si j'ai une offre pour Benzema de transfert et que Benzema s'en va, eh bien, je ne pourrai remplacer Benzema par un joueur. Du coup, de sa nationalité et de son poste. Donc, en l'occurrence, il est athée et français. Donc, si Benzema part, je dois recruter un français athée. Voilà. Et je ne peux pas prendre un buteur. C'est athée, strictement le poste que vous voyez écrit sur le joueur. Voilà. Si Vinicius, par exemple, il reçoit une offre qui part, je dois recruter un attaquant gauche brésilien. Etc. pour tous les autres joueurs. Je n'accepte pas les prêts, je n'accepte pas les échanges. Et voilà, et on laisse l'équipe telle qu'elle est de base hein. Voilà, donc bien sûr si je reçois une offre pour Benzema en AT, ben on va pas avoir de joueur aussi fort que lui. Donc on essaiera de prendre un joueur qui fera ce qu'il peut. Mais il y a des joueurs où on pourra par exemple améliorer l'équipe hein. Je peux penser à quel poste. Par exemple si on a un départ de... je sais pas moi, de Fernandez, de Nacho, vu qu'il est espagnol et DC, ben je pourrais recruter un DC espagnol un peu meilleur que Nacho. Voilà, vous connaissez un petit peu le principe. L'objectif à la fin de la saison, c'est de gagner un trophée, n'importe lequel. Et on va voir un petit peu si on se fait dépouiller ou non aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaira ce petit épisode de Super Sub avec le Real. Moi, j'aime toujours autant tourner ces vidéos-là, ça fait un petit vent de fraîcheur qui fait du bien avec l'été qui est là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et commenter si vous aimez la chaîne et que vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux Twitter, Instagram, Discord aussi, n'hésitez pas. Voilà, allez, on se laisse pour cette petite introduction. On va se retrouver pour le premier mercato, voir un petit peu les départs et voir un peu ce qu'on fait dans cette année. Allez, on se retrouve les gars pour le premier mercato, celui où je perds des joueurs et je les remplace. C'est le principe de Super Sub. On est parti donc pas mal de choses aujourd'hui, hein. On a eu vraiment un gros mercato, beaucoup de départs et forcément beaucoup d'arrivées. Je vous montre déjà les premiers joueurs qui sont partis et que j'ai remplacé ensuite, vous allez voir. Donc Isco est parti à Liverpool, 31 millions, Benzema est parti à Chelsea, 87 millions, Vasquez du côté du Bayern, 24 millions, Militao à l'Atletico pour 61 millions. On a commencé à remplacer, donc j'ai pris à la place de Vasquez, Gorosabel de la Sociedad, 26 millions d'euros. Bon, Gorosabel il a du potentiel, mais c'est un joueur quand même un peu moins confirmé que Vasquez. Olmo que j'ai recruté du coup pour être à la place de Isco, Dani Olmo. On a ensuite Marquinhos que j'ai pris, bon ça c'est pas mal, hein. Marquinhos à la place de Militao, on va pas se mentir, on gagne au change. Mais par contre Benzema, ben, en AT français... de très intéressant, il y avait du Ribéry, il y avait du Ben Arfa, et un peu plus jeune, on avait Mbuku, que j'ai du coup récupéré pour 11 millions d'euros, mais on va pas se mentir, perdre Benzema et le remplacer par Mbuku, bon, on perd un petit peu au change, on va dire, hein, un petit peu beaucoup. On a ensuite le départ de Toni Kroos du côté de Manchester pour 88 millions, remplacé par Goretzka, donc joueur à peu près pareil en termes de niveau... dans le jeu et avec un peu plus gros potentiel vu qu'il est plus jeune, 143 millions hein, donc ça m'a coûté très cher. Carvajal est parti au PSG et encore une fois Carvajal est l'un des meilleurs latérales droits du côté de l'Espagne, donc je l'ai remplacé par Jesus Navas, 15 millions seulement, et un joueur qui est pas mal mais qui va beaucoup régresser vu qu'il a 35 ans. On a ensuite Ferland Mendy qui nous a quitté, je l'ai remplacé par Théo Hernandez. Bon, ça se voit à peu près, deux joueurs très à l'aise. Théo peut-être un poil plus fort et il m'a coûté un petit peu plus cher. Donc voilà, l'équipe la voici. On a du coup Vinicius, bon c'est pas Bale hein, que je vais mettre soit du Asensio, ouais allez, on va mettre Asensio. Asensio, donc on a Goretzka, Modric, Casemiro au milieu, Théo Hernandez, Navas, Marquinhos, Alaba et Courtois dans les buts. Mais on a, voilà, on a eu beaucoup de changements, beaucoup de turnover dans cette première saison. Je m'attendais pas à avoir autant de départs et devoir autant remplacer les joueurs. Bon en tout cas, le Super Sub est en train de bien fonctionner aujourd'hui. On a beaucoup de changements à faire et on va voir si ça va nous permettre ou non de gagner un titre à la fin de saison. On a quand même de bons joueurs recrutés hein. Je pense à Théo Hernandez, à Goretzka, Marquinhos, c'est quand même pas mal. Va falloir faire surtout sans un gros buteur parce qu'on a Dani Olmo que j'ai mis en faux numéro 9. On peut envisager mettre Luka Jovic mais c'est moins fort, donc à part ce rôle de buteur qui est un peu compliqué, alors on fait comme on peut, mais on a une équipe intéressante. Voilà, bon bah écoutez les gars, je vous retrouve directement à la mi-saison pour voir un petit peu ce qu'on a fait,
C'est parti. Et c'est parti les gars, j'ai fait le mercato de janvier aussi pour qu'on soit tranquille. Et je vous montre les résultats du club dans toutes les compètes. Donc on est en Ligue des Champions, on a fait premier de la poule. On jouera le 8ème de finale contre le Dynamo Kiev. Un tirage largement à notre portée, on devrait pouvoir aller au moins jusqu'en quart de finale. La Copa del Rey, eh bien écoutez, on a passé deux tours déjà. Donc on a battu Burgos, club de football, et Villarreal, club de football. Donc on est au quart de finale contre le club Deportivo Leganés. Bon, pourquoi pas gagner la Copa del Rey. La Super Copa, sachez qu'on l'a gagné en battant Bilbao et le Barça. Donc on a déjà gagné un titre dans cette carrière. Donc bon, c'est pas le plus beau des titres, mais théoriquement le challenge est déjà validé. La Liga par contre c'est un petit peu plus compliqué. Vous le voyez, on est 9ème, le Barça est 8ème. On est vraiment pas bon, on est un petit peu à la rue. Va falloir remonter, hein. Va falloir remonter parce que là c'est pas acceptable que le Barça et le Real soient 8 et 9. C'est vraiment une anomalie, donc faut corriger tout ça. Le mercato, il y a eu pas mal de choses, donc je vais vous montrer tout ça. On a eu le départ de Nacho, donc défenseur central espagnol. Je l'ai remplacé par Pau Torres, donc pour 66 millions d'euros. On a eu le départ de Marcelo, je l'ai remplacé par Renan Lodi. Donc latéral gauche brésilien, ce qui est quand même pas mal. Et c'est tout, donc pas eu beaucoup de transferts dans ce mercato de janvier. On n'en a pas reçu d'offres, donc bah écoutez, c'est comme ça. L'équipe la voici du coup avec Théo Hernandez, Alaba, Marquinhos, Navas, Courtois, Casemiro, Valverde, Goretzka dans le milieu de terrain. Olmo en faux numéro 9 avec Asensio à droite et Vinicius à gauche. Et un banc de très très haut niveau, hein, avec beaucoup de très bons joueurs. Franchement on a une équipe vraiment belle, je pense qu'on peut faire de belles choses dans cette saison. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Au niveau des stats, justement, on a 11 buts pour Goretzka et Vinicius. Et le meilleur passeur, c'est Goretzka avec 9 passes D. Voilà, bah écoutez, c'est pas trop mal, je pense qu'on peut le dire. On va essayer de faire une bonne deuxième partie de saison. Je vous retrouve à la fin de l'année avec le débrief et bien sûr un gameplay pour tester les joueurs. Et c'est parti les gars pour la fin de la saison avec le petit bilan des compétitions et de le petit match, petit gameplay après. Bien sûr, West Ham Monaco en Conference League, en Euro. Pas, c'est PSG, Bayer, Leverkusen. Ok. La Ligue des Champions, donc en 8ème de finale, on a joué et battu le Dynamo Kiev 4-2. En quart de finale, c'est Bruges, on les a battus 6-1. Avant malheureusement de tomber au tir au but contre Liverpool 5-4. Donc ça s'est pas joué à grand chose. Mais on perd au tir au but. Donc finale Liverpool-Chelsea en Ligue des Champions. La Copa d'Espagne, eh bien on l'a gagné. C'est ça qui est beau, c'est qu'on allait jusqu'au bout. On a battu Getafe 6-3 en demi et on a sorti Séville en finale. Donc on gagne un 2 titres avec la Super Copa, le doublé. Donc le challenge est validé vu qu'on fait 2 titres et qu'il en fallait au moins un. La Liga, sachez qu'on a bien remonté le classement. On était 9ème, on est maintenant 3ème. Si on gagne le Betis, on reste assurément 3ème. Mais si on les bat pas, on pourrait passer 5ème, ce qui serait dommage. Donc on va essayer de bien finir le travail avec le match du jour, surtout qu'on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions pour l'instant, donc on est un peu obligé de gagner si on veut absolument la jouer en théorie. Voilà, vous avez un petit peu les progressions, je vous laisse mettre pause, mais il y a eu pas mal de belles progressions. On a Goretzka 28 buts, Vinicius à 21, Asensio 19, Olmo 18, Alba 10. Les deux meilleurs passeurs, c'est Goretzka et Asensio, deux fois auteur de double-double tous les deux. Ils ont fait une grosse année, donc c'est très bien, c'est très très bien. Allez, on y va les gars pour le petit gameplay. Elle est Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, évidemment, contre le Real Betis Séville. Ça va être sympa, on va s'amuser, je pense, parce qu'il y a de très gros joueurs dans notre équipe. Et j'espère que vous avez passé une bonne petite vidéo. On va essayer de se régaler dans ce gameplay, c'est parti. Allez, c'est parti, Joaquin qui est sur sa dernière saison et son dernier match, du coup, de sa carrière. Et c'est parti au Santiago Bernabéu. Stade incroyable. Allez. Allez, on profite un peu des images. Et puis un beau petit super sub qui est réussi du coup avec cette équipe du Real. Qui n'était pas si évident parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Donc il fallait un peu checker et essayer de remplacer au mieux. Benzema a remplacé par Mboukou, c'était pas l'idéal. Mais on a quand même réussi à faire la saison, hein, vu qu'on a une grosse équipe et qu'on a eu beaucoup de transferts. On a réussi à s'en sortir comme il faut. C'est beau hein, ces images, franchement. Allez, c'est parti pour le gameplay. On va tester les joueurs maintenant. On va voir un petit peu ce que ça donne. Manette en main. Oh, Valverde, le petit ballon. Le ballon cloche. Ça donnera rien dans un premier temps. Mais Valverde qui récupère encore la balle. Le petit ballon.
il va au-devant, mais Rui Silva qui est là pour le sortir ce ballon. Incroyable première action du Real. Oh, et l'interception. Interception, Olmo qui va décaler, Asensio une deuxième fois, une deuxième parade de Rui Silva, il a fait un contrôle très très long. Notre ami, contrôle pas dans le bon tempo, mais déjà deux énormes situations pour le Real Madrid. Et Courtois, la réaction du Betis, parade de Courtois, le pressing est fort côté Betis, mais on arrive à s'en sortir avec la qualité technique de nos joueurs. Et Goretzka, il va envoyer hein, Vinicius qui fait vraiment d'énormes différences avec sa vitesse, avec ses appels dans le dos de la défense. Le petit ballon, oulala, c'était pas loin d'être coupé une fois de plus. Et la relance, elle est toujours pas bonne. Ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. Et là, c'est pour Olmo, la tête d'Olmo. Ouverture du score, et c'est logique hein, parce que on est... Arrasan, ça se dit Arrasan ? Ça veut dire quelque chose ? En tout cas, on est très présent dans le pressing, dans la récupération du ballon. Et là, le bon petit ballon d'Asensio pour Olmo qui devance le gardien et qui est bien parti dans le dos du défenseur. C'est inarrêtable, ça va trop vite pour Rui Silva qui cette fois-ci ne peut pas gagner son duel. 1-0. Oh, et encore un super ballon. Oh là là, c'était pas mal joué. Rui Silva qui est là à la parade sur le petit lob très astucieux de Daniel Olmo. Ah, il était peut-être cadré parce que je crois qu'il y avait un effet rentrant pour Olmo. Et là, le corner, on a un Casemiro, c'est au-dessus. Mais pour l'instant, on a vraiment une surdomination du Real hein, avec beaucoup de ballons récupérés très haut sur le terrain. Et ensuite, ça fait très mal à cette équipe du Betis. Et l'égalisation, on s'est fait avoir là au retour des vestiaires, on s'est fait complètement avoir là dans la profondeur, on a trop mal défendu. Les joueurs sont restés dans les backstage de ce Bernabeu. Parce que franchement, on mérite largement de mettre 2 ou 3 en première mi-temps. Et là, bah là on défend mal, hein, on défend mal avec juste un ballon en profondeur, contrôle frappe, but. Bon, allez, faut faire mieux. Oh, pas si mal Vinicius, franchement la bonne frappe après le super dribble, je peux vous dire qu'ils ont fait des dribbles intéressants Vinicius, énorme activité hein, pour lui sur son côté, et il porte vraiment l'équipe sur beaucoup de mouvements, ça c'est pas mal joué Borja hein, vers Joaquin, il y a personne qui lui monte dessus, c'est Courtois qui doit s'employer, encore une bonne situation pour le Betis qui joue son jeu, hein. ils sont là le Betis. Oh le petit pont incroyable. Oh c'est bien joué. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est incroyable. Quel but magnifique. Allez, 2-1 pour le Real. Je vais vous remontrer ce travail de Vinicius qui est incroyable. Oh là là, ce qu'il lui a mis. Et puis ensuite deux ballons en retrait. Et Asensio face à la cage, c'était facile. Mais attendez, il a mis un petit pont en virgule. C'est incroyable. L'élastico. On va revoir ça, mais c'est incroyable. Pouah. Aïe, aïe. Oh, la violence. La violence du geste. Et ça va au bout en plus. Donc, c'est très, très beau. Bravo, Vinicius. 2-1, je vous le disais. La défense ne sait pas sur quel pied danser avec un joueur comme ça. C'est une victoire de 2-1, les gars, dans ce finish de ce super sub avec le Real Madrid. Bon bah écoutez, c'était bien beau, très belle victoire. Et franchement, ça régale. Bon mais voilà, j'espère que vous avez passé une bonne petite vidéo. Le but incroyable avec ce... Pouah. Quelle action. Ah franchement, ce geste, il est génial. Hein. Pouah là 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 là, ce qu'il lui met... La virgule en petit pont, elle est belle. Allez, c'est sur ce magnifique but qu'on se laisse. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. On se retrouve dès demain pour le Betis dans un très bel épisode du Betis. Vous allez voir ça. Soyez là demain pour la saison 2. Mercato énorme avec le Betis demain. Sinon, bonne semaine. C'était SD, à très vite. Tchuss!